Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer mon nouveau projet. Enfin, un de mes nouveaux projets. Alors, j'avais trouvé cet album à Noz. Alors, là, vous allez avoir l'ombre, mais bon, je peux pas ouvrir. Il fait trop chaud de ce côté. Donc, vous allez vous contenter. Alors, si je me mets comme ça, c'est bon. De toute façon, là, il n'y a rien à voir. Ça va être customisé. Alors, à Noz, j'avais trouvé cet album-là. Que je vous avais pas montré dans mon haul parce que je l'avais oublié au fond du sachet. C'est un album photo, tout noir, très joli. Et bon, ce qui m'a plu, bon, c'est à l'intérieur, les feuilles très épaisses à l'intérieur, ainsi que les embouts là, enfin les coins qu'on n'a pas à rajouter. Donc je vais avec cet album là, je vais me faire un album gorgeous et je vais faire des cartes avec des gorgeous montées en 3D, enfin, allez, avec les découpes gorgeous là qu'on monte nous-mêmes. Je vais faire plein de thèmes, peut-être thème vintage, thème steampunk, thème shabby. Je vais faire tout un album. Alors, je pense que je ferai quelques cartes avec vous. Celles que je peux pas faire en vidéo, je vous les montrerai. Là, on va faire le devant. Genre, je vais le customiser avec des produits Action. Alors, je vais utiliser juste un morceau de papier, deux morceaux de papier de cet album-ci, enfin de cette. Allez, de ces papiers-ci qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Alors là, j'ai pris. Alors, j'ai pris cette carte-ci que je trouve très jolie. Ensuite, ah ouais, l'idée m'est venue. J'ai fait de la trie dans le placard, dans un de mes placards où j'avais mes mousses, les feuilles à mousse que j'ai. Et au fond, j'ai trouvé cette petite étiquette que je m'étais mis par côté sur ma table de scrap, enfin, sur mon atelier, pardon, je me bégaye. Et du coup, ça m'est venu. L'album était à côté, j'ai vu cette photo juste à côté, et paf, l'idée m'est venue. Donc, celle-là, je l'ai recouverte. Alors, j'ai pris un papier du bloc. Un petit papier alors qui était là-dedans, vous voyez, c'est ce papier là. Il était ici, voilà, il était en marron et en rouge. J'ai pris ce papier, j'ai collé mon étiquette dessus, voilà, et j'ai découpé tout autour. Je vais venir la coller vers ici. Donc j'ai récupéré les chutes, je pense m'en servir aussi. Ensuite, les tissus là qu'on trouve aussi chez Action, je vais m'en servir d'un que je vais mettre dessous. Voilà comment je vais monter mon. Enfin, comment je vais faire ma page. Hein. Ensuite, j'ai. Voilà, j'ai récupéré un morceau de strass comme ça. Et ensuite, j'ai récupéré un vieux ruban. Pareil, qui traînait par là. Je vais le mettre là. Les rubans que j'avais trouvés chez Noz en satin, là. Je vais le mettre ici. Je vais coller tout ça avec vous. Et ensuite, je ferai la première page, je la ferai dans une autre vidéo. Vous me direz, ouais, si vous trouvez l'idée sympa, si ça vous intéresse que je filme quand je fais mes. Je cherche ma colle. Si ça vous intéresse, si je filme, voilà, ce projet-là. Je trouvais ça intéressant de faire. Parce qu'à force de faire des cartes. En plus, les cartes, je les envoie et je me garde pas, je garde rien. Donc, du coup, là, au moins, j'aurai mes modèles à part les photos que je garde, mais au moins, j'aurai des modèles. Quand je serai en manque d'inspiration, j'aurai mes modèles shabby, mes modèles vintage. J'ai pensé à faire ça. Donc, pour moi, mais bon, autant le partager puisque j'ai une chaîne. Si ça peut vous donner des idées aussi. C'est le but de ma chaîne, d'essayer de vous donner des idées. Après, si vous n'êtes pas intéressé, moi, la plupart du temps, j'essaie de mettre des miniatures avec à quoi ça correspond à mes vidéos. Si vous n'êtes pas intéressé, il y a pas mal de choses quand même sur YouTube où vous pouvez trouver des choses peut-être plus intéressantes que ma chaîne. Donc vous pouvez passer votre chemin si ça vous intéresse pas. Voilà.
je vais mettre ça ici. Et ensuite, je vais venir coller. Je vais le coller au pistolet-colle à cause du tissu. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. J'ai vu que j'ai préparé le dernier montage, j'ai vu que j'avais gagné énormément d'abonnés. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles, en espérant que vous vous plairez sur ma chaîne, que ce que je vous propose vous intéressera. Enfin, tout ce que je propose, je ne me force pas à le faire. Quand je fais des vidéos, c'est des choses que j'aime partager et je fais mes vidéos avec plaisir. Voilà. Je ne me forcerai jamais à faire une vidéo qui ne me plaît pas. Donc là, je vais coller le petit ruban ici. En évitant de mettre trop de colle. Et le petit nœud ici. Voilà. Et alors peut-être que je rajouterai une petite étiquette, mais bon, je vous le montrerai quand je ferai. Parce que là, je ne l'ai pas préparé. Parce que je vais laisser comme ça. Voilà, ça a coupé. La mémoire était pleine. Voilà, moi je filme avec une petite tablette qui n'a pas beaucoup de mémoire. Donc du coup, j'ai des vidéos qui sont en train de, enfin, qui sont en attente pour des montages, donc je peux pas être partout à créer, à faire mes montages, donc du coup je laisse mes vidéos dans ma tablette, ça m'encombre la mémoire, mais bon, j'ai que deux bras. Voilà, donc je vais faire un autre montage pour celle-là, pour que vous n'ayez pas la coupure. Je vais laisser comme ça, et là, quand je ferai la carte avec vous, je vous montrerai si j'ai rajouté quelque chose ici ou pas. En attendant, vous direz ce que vous en pensez de mon projet, si ça vous intéresse d'en avoir. De toute façon, si ça ne vous intéresse pas, mais tant pis, j'en ferai quelques-unes. Mais ouais, de toute façon, je verrai au nombre de vues et je verrai vraiment si ça ne vous intéresse pas. Et j'essaierai de trouver un autre projet. Après, vous aurez, je pense, dans la suite, vous aurez des vidéos, toujours les pages 30 par 30. Pages scrap 30 par 30, je pense que je vais m'y tenir jusqu'en décembre. Vous aurez de l'art journal, des cartes. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.